Ah, bonjour. Nous sommes ensemble sur ce vol. Nous co-animerons cette session. En ma qualité de B, je m'occuperai de l'écriture, dessin sur plan et architecture. Je m'occupe de tout. La destination était dans le dossier préface. Je crois que c'est la première fois que nous travaillons ensemble. J'ai mes habitudes avec d'autres. Je suis presque un vétéran maintenant. Bon, je vous laisse le temps de vous installer, le temps que je m'occupe de la procédure. Et je vous joue ensuite les commandes. Un instant, s'il vous plaît. Ouvre une plage. Code, syntaxe, simple, belle, sculptée en quelques notes, une tension ici, des reflets là, de l'eau dans un verre. Tout se bouscule dans un rythme qui tombe, voilà. La vague qui devient nappe. Obtenant une surface immobile. Voilà, c'est comme ça. Et puis ces projections, quelques notes, allez. Vous y allez. On gardera nos distances tout du long. Hein. Désolé, c'est la procédure, j'en reste en ma qualité de B. Tout va bien ? Vous allez endurer tout le voyage. J'essaierai de rendre ça le plus confortable pour vous dans l'appareil défini par cette fenêtre. Vous n'êtes pas réellement là, mais nous vous laissons les libertés. Gna 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 gna. On va pas relire le code 100 fois. Hein. Je serai en vocal sur tout le trajet pour la moindre de vos questions. Respectons les us et coutumes. Voilà Z. Faut bien commencer quelque part. Z. Alors commençons par la fin. Z. Appuyez sur Z. Le maintenir serait le choix le plus rapide. Comme ça, là, c'est beau. C'est sûrement le plus beau Z, le plus fin, le plus épais. Je me contredis, oui. Pardon, c'est sûrement car votre action est puissante. Vous pouvez aussi frapper la touche, comme un tambourin. Clac ! Clac ! Clac ! Pim ! Pim ! Ftoum! Ftoum! Ouais, bon, ça ne change pas grand-chose, mais j'aime vous imaginer en train de frapper en écoutant ma voix. Tout cela est très facile, hein, c'est certain. Rien que de l'usuel, on va jusqu'à la paroi et ça bloquera l'appareil. Ftoum! Ok, on est bon sur le décrochage de l'appareil. On avance. 12, 13, 14 degrés depuis le départ. 25% de la vitesse maximale. Tout est bon, tout est stable. Alors on passe à l'ouverture pleine. Maintenant c'est A et E, ça vous permet d'ouvrir davantage. De quoi se dégourdir les pattes. C'est A et E. Et maintenant le levier est rendu utilisable. Vous pouvez varier la vue. Varier la vue en glissant avec le levier, voilà. Toujours étrange de savoir que vous n'êtes pas là, mais moi si. Vous derrière l'écran, moi assis à bord. Nous sommes arrivés correctement, d'ailleurs vous pouvez enclencher M quand tout vous semble opérationnel. M. M. Superbe. Bravo. C'était vraiment superbe. Continuez maintenant sur l'autre versant. D enfoncé et le levier pour contrôler le point de vue. Simplement comme ça. D. D
Vous savez, ça m'amuse énormément. Je crois que je ne suis jamais aussi émerveillé que pendant ces voyages. Je rigole parce que Caroline, Antoine, Victor, tous des bons amis, hein, me signalent souvent que je n'ose jamais parler trop fort, jamais déambuler gauche à leur côté, dans les rues, sous les pylônes, au moment des retrouvailles. Ouais. C'est dommage de ne jamais les avoir ici. Tout le monde verrait à quel point je suis en phase avec le moment, comme je me réalise ici dans la tâche, la répétition, le carcan simple. C'est devenu banal, mais ici je suis spécialiste, monsieur, personne ne peut le nier. Et c'est une forme d'unité que j'aime, ici. Commandant B, oui, j'écoute. Oui, allô, oui, on a un problème. Commandant B, je suis à votre service. C'est drôle, je me mets à rêver que c'est moi qu'on emmène, que c'est moi qu'on conduit pour une fois, qu'on s'occupe de moi. Tu es bien tranquille derrière ton écran, instrument souche, et hop, maintenant tu es full-time job pour moi à mon service. Ouais, le tutoiement n'est pas vraiment de rigueur pour la procédure. Je sais, je sais. Et mon voyage n'est que séquence reproduite. Et moi je te tutoie, je brise tout, désolé. Ce contrat, ton allégresse, la beauté de ton geste. Il suffit que je te donne des outils et tu construis notre voyage. Voilà la syntaxe, la phrase à suivre. Tu suis la route. J'aimais quand tu allais tout droit, quand ton chemin était tracé et que je ne te perturbais pas. Désolé encore. Je poétise sur toi, il a fallu ce moment, 7 secondes de trop. Restons bons collègues. De toute façon, tu ne peux pas répondre. Le travail c'est comme ça, tu reçois mes mots et moi je vois tes gestes. Nous formons à deux un cadre, un corps, et simplement stimulus. Je comprends si tu touches, si tu ne touches pas. Cause externe ou interne capable de provoquer la réaction d'un système excitable d'un organisme vivant. Moi derrière l'écran, toi devant. Elles sont belles, hein, ces citations de philosophie du cadre de travail tamponnées dans les livrets de formation qu'on a appris par cœur pour les concours, pour le poste, pour la charge du travail, pour façonner les travailleurs, pour conduire nos corps, pour la tâche du voyage, du trajet. On aura bientôt rompu la connexion avec l'extérieur. On est presque au bord de la carte. Attends une seconde, j'en viens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il me manque des outils pour la fin. Mais pourtant, j'ai toujours les plans d'habitude pour les phases finales. Ça vient du dessous, des racines, des souches. Je
champignon de l'autre côté de la mousse. Jeu de perspective. Je ne me suis pas laissé aller, c'est ça? Ou non, je me suis trop laissé aller. Tu savais tout ça trop bien. Tu as une forêt, je n'ai regardé qu'un versant. Me demandant de regarder la route, je ne bougeais pas assez. Tu as choisi un sens, un bijou, et la forêt s'éteint. Tu n'avances pas à pas de loup pour rien. Tu avances dans le noir. Non, c'est moi. Tu avances les yeux fermés, tout ressurgit en un instant. Non, c'est moi. Tu avances. Tout ressurgit en un instant. Sur tout le trajet, tu as laissé le monde derrière toi. Pour moi. Car c'est mon dernier jour. Car c'est moi qu'on conduit. Pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. J'essaie de prendre ça avec sagesse, mais forcément. Alors rythmons tout ça du mieux que l'on peut. On pense toujours avoir un peu plus du temps pour être ici. Et puis l'on passe du cadre au cadre, des veines aux veines, aux veines, sans transition. Car c'est mon dernier jour. Car c'est moi qu'on conduit. Pas vrai. Pour de vrai. Alors rythmons tout ça du mieux que l'on peut. On pense toujours avoir un peu plus du temps. Sur tout le trajet, tu m'as baladé pour la dernière fois. Inquiet je l'étais pour toi, de bien te guider pour moi. Tu m'as baladé pour la dernière fois. Inquiet, je l'étais pour toi. Inquiet de bien te guider. Mais pour moi, j'ai compris. Ce n'est que cyclique. Demain, c'est encore moi que tu amèneras du point Z au point A sans remords. Inlassablement, c'est ton taf du Styx. Faire le dernier voyage des architectes d'un autre B. C'est pour ça qu'on ne te voit jamais aux soirées. La section mortuaire est sûrement pas très acceptable. On vit en regardant plutôt la nuit tomber sans penser au train qui roulera tard. Fermer une plage, code, syntaxe. Ce monologue, je l'ai eu 10 fois, 100 fois, 1000 fois, je ne sais pas. Demain déjà, dans 10 minutes déjà, dans 100 minutes déjà, dans 1000 minutes, sans doute. Encore d'autres que toi, d'autres que moi, d'autres façonnés comme toi. Exactitude, reproduiront ce dernier voyage de celui qui a délié sa langue, trouvé les mots, n'est plus efficient pour le job en fin de traite. Et moi je suis tellement triste de ne pouvoir te dire plus, t'incorporer à un arbre, faire histoire un peu plus, construire un château de cartes avec toi,
souvenirs et structures, l'écriture, dessins sur plan et architecture, membrane, cassé, casse-pied, pardon, syntaxe, mal-aimé, goudron, baptisé, fermant, une plage, tué, sur le trajet.